et abandonné Jeanne à 13 heures. Stratégique. Ouais, même les Andak. Leur cuisine. Les autos abandonnées. Bonjour mesdames et messieurs, merci de votre fidélité sur Congo Live. Nous sommes le jeudi 12 octobre 2023. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous sommes avec monsieur Moïse Rangi Sematé. Moïse, bonjour et bienvenue. Vous allez bien? Nous allons très bien. Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs de Congo Live Télévision. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Moïse, quelles sont les nouvelles ce matin à Goma? Goma va relativement calme, pas quelque chose de très spécial en tout cas. Alors, nous allons encore une fois de plus revenir sur quelques faits d'actualité. Hier, il y a eu en tout cas, encore une fois de plus, et la reprise des hostilités entre les M23 et les jeunes d'autodéfense, les Oazalendo. Nous apprenons en tout cas que les jeunes ont avancé, mais ceci complètement sous contrôle des jeunes. Et il y a les jeunes qui avancent vers Rutshuru, monsieur Moïse. Alors, c'est tout ça en fait. Après que l'autodéfense ait récupéré effectivement Masisi dans son entièreté, visiblement les rebelles ont pris le chemin de Rutshuru, ils se sont orientés de l'autre côté. Et puis il faut dire ici que Rutshuru se maintenant très proche du Rwanda, donc ce serait facile pour eux de se ravitailler de temps en temps. Voilà pourquoi est-ce que nous pensons et nous continuons à espérer que les Oazalendo et même le gouvernement doivent maintenant orienter l'attention de l'autre côté de Rutshuru. Pas pour autant qu'il faut oublier Masisi et Kichanga, mais déjà comme c'est sous notre contrôle, il faut maintenant orienter toutes les énergies vers Rutshuru. Hier même, ils ont voulu attaquer les alentours de Kichanga au point où il y a eu des vives tensions. Nos familiers, même moi personnellement, les amis qui sont au niveau de Kiwanja, ils nous ont alertés comme pour dire qu'il y a des détonations lourdes d'armes, mais après quelques heures, il y a une certaine accalmie. Donc, c'est vraiment de cette manière que ça se passe. Après que Kichanga soit récupéré, généralement, tout Masisi, l'ennemi essaie un peu de s'orienter au niveau de Rutshuru. Alors, il faut préciser en tout cas que Rutshuru, parce qu'il y a d'abord Bouisa, effectivement, qui ont entre les mains depuis hier soir, les mains de Oazalendo. Ces jeunes toujours déterminés. Pourquoi Moïse? Non, c'est normal en fait. On ne peut pas croiser les bras face à cette agression qui nous est imposée par M. Paul Kagame. Une fois, on essaie un peu d'hésiter. L'ennemi prend les chemins et l'ennemi essaie un peu de nous contrecarrer. Il faut toujours maintenir le cap au point que jusqu'au niveau où nous allons, une fois de plus, en découdre avec les rebelles du M23. Et déjà, nous sommes en train d'y aller. Je suis convaincu que l'autodéfense, avec l'appui aujourd'hui qui est là du peuple congolais, de toute la population, et même d'une frange du gouvernement congolais, ce serait en tout cas, ça va être possible que nous puissions gagner cette guerre. Il faut toujours être optimiste, il faut toujours être positif et continuer à espérer à quelque chose de très bon. Moi, personnellement, je suis optimiste vraiment et j'ose vraiment croire que cette guerre, nous allons l'emporter. Vous allez le remporter.
Effectivement. Donc, plus question de reculer. Pas question de repli stratégique. J'espère que les gouvernements et même les responsables des forces armées ne vont plus encore nous faire ce genre de scénario. Heureusement, à le voir à Kichanga, et même ils sont aussi déterminés. Après, effectivement, le départ de l'ennemi, bien qu'ils continuent à observer les cessez-le-feu, mais pas question de repli stratégique. Quand l'autodéfense occupe une zone, chers responsables des FARDC, il ne faut plus céder. Pas question de repli stratégique, c'est notre territoire, il faut l'occuper avec fierté. Et nous restons déterminés à mettre l'autorité de l'État, à instaurer l'autorité de l'État dans toutes ces zones. Bientôt là, ça sera Bounagana avec l'autodéfense. Ça, je vous assure, messieurs les journalistes. Et tout Bounagana, parce que Bounagana, c'est comme si c'est les derniers bastions, les derniers Tout à verrous. fait, en fait, c'est là où maintenant Bounagana, c'est parmi les zones qui ravitaillent avec puissance les terroristes du M23. Faut-il le rappeler ici que, en fait, à Bounagana, il y a une. Comment on appelle ça? Bounagana relie la République démocratique du Congo et ces trois. Comment dire? Il y a une partie du Rwanda qui essaie un peu de. Donc il y a la frontière en fait, laquelle frontière essaie un peu de faire les pointes, la RDC, les Rwanda et même l'Ouganda. Alors, pour le moment, tout ce que régénérer cette partie au trésor public, ça revient à M23, ça veut dire qu'ils sont en train de les trafics d'import et export des marchandises, les trafics d'entrée et de sortie des personnes, ce sont les rebelles qui contrôlent ça. Et tout ça constitue effectivement les investissements qui sont en train de se servir. Mais on espère qu'avec l'allure où vont les choses, l'autodéfense arrivera jusqu'à Bounagana et nous chasserons les rebelles du Rwanda et même de l'Ouganda. Tout est possible, messieurs les journalistes. Autant qu'ils ont occupé Kichanga et nous les avions délogés, autant que c'est possible de les déloger, même au niveau des Bounagana. Ce qui est peut-être déplorable, c'est qu'eux aussi commencent à monter des stratégies de nature à diviser même l'autodéfense. J'ai eu des camarades qui m'ont dit que Kagame voudrait aussi peaufiner, voudrait aussi avoir ces Oazalènes. Ça veut dire que Kagame veut encore diviser même les groupes de Oazalènes pour qu'il y ait des faux Oazalènes, des vrais Oazalènes, des Oazalènes qui seront ici, des acolytes du Rwanda et commenceront maintenant à contrecarrer toutes les stratégies que nous serons en train de mettre en marche. Donc c'est ici l'occasion d'en appeler à nos Oazalènes à ne pas céder à ces caprices-là de l'ennemi. L'ennemi, il est malin. L'ennemi, il est vraiment margoulin. Il monte des stratégies qui sont de nature, effectivement, non seulement à nous diviser, mais aussi à nous fragiliser. Et c'est très important que nous ne puissions pas céder face à ces caprices de M. Paul Kagame. Chers compatriotes, faut pas vous laisser manipuler par ce que Kagame va vous donner. Kagame essaie un peu d'investir trop dans plusieurs secteurs. Je parle ici spécifiquement du secteur du numérique. Kagame a maintenant là ses informaticiens. Kagame a maintenant là ses influenceurs sur les médias sociaux qui essaient un peu de relayer des messages de nature à décourager nos compatriotes Oazalendo. Kagame essaie un peu de monter des stratégies qui sont de nature à fragiliser nos forces armées loyalistes. Donc, c'est une occasion pour moi d'en appeler à tout le Congolais à la responsabilité. Je rappelle ici, vous qui tchatez, nous qui tchatons, à pouvoir être très prudents face à certaines plateformes que Kagame utilise. Il y a Maisha RDC. Jamais, chers compatriotes, vous verrez cette page de Maisha, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, poster ou relayer des messages qui sont des messages que j'appelle républicains. C'est juste des messages qui sont de nature à fragiliser les forces loyalistes. Ce sont des messages qui sont de nature, effectivement, à motiver l'ennemi. Jamais vous verrez Goma 24 poster un message
qui soit rationnel, un message ou une actualité qui soit vrai. Ce sont juste des stratégies. Ce sont des messages qui sont fabriqués dans les laboratoires rwandais et qui sont relayés pour effectivement nous mettre mal à l'aise. Jamais vous verrez le fameux Willy Ngoma, les Bissimois et les autres poster quelque chose de nature à nous aider. Voilà pourquoi j'attire notre attention dès lorsque nous utilisons le net, soyons prudents. Ne faisons pas, n'utilisons pas nos plateformes, même nos murs, sur votre mur Facebook, sur votre mur Twitter, sur votre mur Instagram, essayez un peu de relayer des messages qui sont républicains. Ne démoralisez pas les troupes sur les fronts, ne démoralisez pas le Wazalendo. J'ai vu déjà, même pour ce qui s'est passé ici à Goma, juste parce qu'il y a un voleur, un bandit qui a été tué dans la ville, il y a des gens qui sont montés au créneau comme pour dire que non, écoutez, il y a les éléments JE qui viennent de tuer un Muzalendo, ils veulent les décourager. Et ça, ça a créé une psychose au point de mettre mal à l'aise même cette collaboration entre les forces armées et le Wazalendo. Donc j'attire notre attention par rapport à cette réalité, mais à la fois, je pense que nous devons encourager et effectivement féliciter le Wazalendo à tout le niveau. Si vous êtes capable de les envoyer quelque chose à Metsulada, chers amis, n'hésitez pas. Si vous êtes capable de les envoyer quoi que ce soit, en tout cas c'est une affaire de la nation et ensemble nous pouvons effectivement mettre en déroute cette barbarie de M. Paul Kagame. Déjà à 16h, il y a les jeunes qu'on a appris qui étaient déjà proche de Kiwanja, dans les Rutshuru. C'est confirmé la société civile qui dit suivre de près la situation. Il faut préciser qu'on a suivi des détonations d'armes lourdes et légères qui étaient attendues dans la cité. La situation était très confuse hier, mais ce matin nous apprenons en tout cas que les affrontements ont repris autour de Kiwanja et que les jeunes veulent toujours à tout prix récupérer cette cité. Alors, c'est tout ce que nous attendons, en fait. Et le 23, j'ai suivi la communication, effectivement, de l'air fameux leader qui disent que non, les forces armées, le Wazalendo, viennent encore de violer les cessez-le-feu en attaquant la zone tempo. Willy Ngoma a évoqué même la question des zones tempo. Et moi, j'étais en train de rire. Je me disais, ça, c'est déjà une façon de démontrer que vous êtes aux abois. Vous n'avez plus de force et vous commencez à pleurnicher. Il faut aller au-delà. Il faut les battre jusqu'à leur dernier retranchement. Ce sont eux qui n'ont pas voulu en premier respecter les engagements ici de ces assises. Et quoi de plus simple que maintenant de les battre. Kiwanja, c'est en fait une zone aussi stratégique pour Rutshuru, monsieur les journalistes. C'est comme Kiwanja, c'est comme Goma. Tu vois, c'est la comment je peux dire, comme Goma, c'est la capitale de la province Nord Kivu, le chef-lieu, et Kiwanja pour Rutshuru, c'est maintenant le centre. Si l'ennemi occupe Kiwanja, c'est facile d'attaquer Kibumba. C'est facile de se disperser dans les parcs et d'asseoir Goma. Voilà pourquoi il faut rester aux aguets, il faut maintenir le moral au zénith et faire en sorte que Kiwanja soit à l'abri. Toute la grande économie, tout ce que les habitants de Rutshuru trouvent en termes de revenus et le reste, c'est en fait à Kiwanja où il y a même ces petits centres-là commerciaux. C'est à Kiwanja où, en fait, presque la grande majorité de la population se situe et il faut faire en sorte que cette zone soit tout à fait mise à l'abri. Et je suis confiant avec la détermination qui anime le Wazalendo, nous allons ensemble pourchasser l'ennemi jusqu'au Rwanda. Il faut même il faut aller avec eux et dépasser même la frontière, les battre jusqu'à ce qu'ils retournent chez M. Paul Kagame. On ne va plus blaguer, messieurs les journalistes. Nous sommes en colère. Les compatriotes que nous avions perdus, ça et là. Toute notre économie mise à mal, pillée par M. Paul Kagame, nous n'allons pas accepter que cette blague continue. Alors, en tout cas, on voit la détermination des jeunes Wazalendo qui ne cessent d'avancer, parce qu'il faut dire après la conquête de Masisi, c'est maintenant le tour des Rutshuru,
Il y a ces jeunes qui avancent et qui ne veulent pas vraiment lâcher. Alors, monsieur Moïse, en tout cas, je rappelle que nous sommes en direct sur Congo Live. Mesdames et messieurs, vous nous suivez. Nous sommes les jeudi 12 octobre 2023. Il faut dire que les résistants à Ouazalendou ont fait sauter les derniers verrous d'agression des M23 dans les Masisi, ont affirmé des sources locales. Bouisa était jusque-là la dernière position stratégique des M23 dans les territoires des Masisi. Effectivement, en fait, ils sont aux abois et ils sentent la colère qui anime les Congolais et ils vont nous sentir d'ici là. Alors, je voudrais aussi évoquer un autre aspect. Déjà là, c'est par rapport effectivement à ce qu'est lu cette situation sécuritaire et les échéances électorales qui sont en cours. Je rappelle ici que dans moins de 1 mois et demi, la République démocratique du Congo va devoir effectivement organiser à travers la centrale électorale les élections générales, la présidentielle, les législatives au niveau national et provincial. Alors, si nous ne parvenons pas à mettre en déroute ces aventuriers, je crois que ça va impacter négativement sur le processus électoral. Voilà pourquoi est-ce que j'estime que c'est important que nous puissions nous mobiliser tous aux côtés de Ouazalendo, aux côtés des forces armées, pour essayer un peu d'en finir une fois pour toutes avec les terroristes du M23. Si par exemple, on essaie un peu de les battre, dans moins de 2 semaines, on les déloge à Rutshuru et ses environs, la semaine qui va suivre, on commence maintenant avec Bounagana et d'autres environs. Je crois que c'est possible que dans moins de 3 semaines, nous puissions une fois de plus mettre fin à cette barbarie. Et après ça, la centrale électorale peut se déployer à Rutshuru, à Kichanga et ailleurs pour essayer d'enrôler les électeurs. Parce que ce sont aussi des Congolais qui ont les droits, effectivement, d'élire à travers leur carte d'électeur le futur dirigeant de ces pays. Donc, cette guerre, messieurs les journalistes, elle est une guerre qui couvre plusieurs enjeux, en fait. Si nous ne parvenons pas à la gagner, je crois que les impacts, elles ne seront pas moindres. Parce que maintenant, là, messieurs les journalistes, non seulement si le secteur politique, ça impacte, mais si l'éducation de nos enfants. Vous constatez qu'il y a en fait un certain recul. Le programme national de l'éducation n'est pas, nous ne sommes pas sous la même diapason avec les compatriotes qui sont à Rutshuru et même d'autres qui sont à Kichanga. Le fait qu'il y a des déplacements massifs des populations, le fait que certains quittent leur zone et viennent ici à Goma en termes de réfugiés et les demeurent, je puis vous dire que ça nous coûte cher. Et la moindre des choses qu'il faut faire, c'est de tout mettre en œuvre pour que cette guerre prenne fin. Et ça va prendre fin avec cette détermination de Ouazalendo, pensez-vous? On peut l'espérer, Mais messieurs les la journalistes. question, Moïse, c'est vous, parce que vous faites partie de ce jeune Ouazalendo, Effectivement. vous les soutenez, c'est sûr. Vous avez quel armement? Quel armement? On a vu comment les M23 ont progressé, comment la guerre a pris du temps pour arriver dans les Massissi, mais vous les délogez dans moins d'une semaine. Comment comprendre ça? Monsieur le journaliste, cette même question, en fait, elle m'a toujours été demandée. Et tout ce que moi j'ai dit, d'abord, est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous a un jour dit où est-ce que ces aventuriers tirent leurs armes? Mais on ne sait pas. On parle de vous, les voisins. Effectivement, nous avions quel armement, mais on se débrouille pas mal, messieurs les journalistes. On se débrouille pas Vous mal. débrouillez pas mal, ça. Donc, vous avez déjà des armes Est-ce que vous. sophistiquées, Pas tellement sophistiquées. capables À... même de battre des avions, apparemment. Non, je n'ai pas les avions. Mais ce qui est sûr, c'est que on Donc, est. vous avez des armes plus fortes, sophistiquées, puisque les FARC, c'est la Monusco. Non, ce qui est sûr, il y a les questions de la sécurité, de la défense, ça ne se discute pas publiquement. Ce qui est sûr, c'est que vous devez juste comprendre que les Ouazalendo essaient un peu de se débrouiller, essaient un peu d'assurer leur prise en charge et ils essaient un peu de sécuriser la nation. Où est-ce qu'on tire les armes? Ce n'est pas ici où il faut venir les dire, sinon ça va jouer au jeu de l'ennemi.
Les 1-23 attendent tout cela. Ils veulent savoir effectivement l'approvisionnement. D'où est-ce que le Oazalen s'approvisionne. Et moi, je ne pense pas que ce soit ici les lieux appropriés pour leur dire. Mais avant ça, il faut aussi dire que, par exemple, je vais citer très pratiquement pour être aussi sincère, l'APCLS de. Un peu céleste de Janvier Kalahiri, mais ils sont toujours à Massis, c'est très libre, non? Avant même que les 1-23 viennent, ils sont là, ils se débrouillent pas mal et ils sécurisent la population. Guido Chimirai, mais il est toujours là, mais c'est les gens, c'est un seigneur de guerre des plus belles lirettes, ce n'est pas aujourd'hui. Alors, ça, ils ont quand même quelque chose pour se défendre, ils ont des lances, ils ont même des petites armes. Et ces armes-là les servent. Ce qui est aussi. Armes. Mais oui. Des lances. Des lances, effectivement. C'est les lances qu'il faut filer M23. Pas seulement les lances, mais c'est. Vous voulez quoi? Mais quand M23, lui, essaie un peu de venir nous mettre mal à l'aise, en pillant même le comment je vais dire, en utilisant des armes lourdes, vous voulez quoi? Il faut qu'il y ait la proportionnalité de force, allais-je dire. Il faut, quand l'ennemi vous attaque avec un AK-47, vous utilisez aussi une arme de cette même génération. Effectivement. Donc là n'est pas le débat. Quand on fait la guerre, on ne pleurniche pas. Qu'est-ce qu'on utilise? Non, ce sont des matières de défense qui ne se dit pas publiquement. Mais ce qui est sûr, c'est que le Oazalen le sait un peu de se débriller. Alors, Moïse, on va se quitter par un message aux forces armées de la RDC. Alors, nous sommes en train de les appeler à ne pas observer ces faits-là, justement parce que c'est de la blague. Moi, je considère ça comme état de la blague. Pendant que le M23 évoque la question du cessez-le-feu, mais ils mettent mal à l'aise nos compatriotes Oazalendo, mais vous, le FARDC, vous, le gouvernement, vous continuez à vous maintenir sur la question du cessez-le-feu. Tout ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut être derrière le Oazalendo. Quand le Oazalendo attaque directement, vous récupérez les zones. Pas question de cessez-le-feu. Moi, je suis de ceux-là qui pensent que même à Rutshuru, si le M23 a passé beaucoup de jours là-bas, c'est parce qu'effectivement les forces armées ont voulu respecter scrupuleusement. Face à un monsieur insensé, inhumé, il faut aussi l'être. Je félicite effectivement les forces armées. Elles demeurent notre seule armée en dépit effectivement de toutes les dribbles qui sont en train de subir de la part, effectivement, côté diplomatique. Je vous rappelle ici que jamais les étrangers nous apporteront la paix. Je vous rappelle ici que même les facilitateurs Uhuru Kenyatta, aujourd'hui, ils jouent le jeu de l'ennemi en vous appelant à privilégier effectivement une solution non militaire. Donc, soutien total aux forces armées, messieurs les journalistes, nous restons toujours derrière elle demeure notre seule armée, en dépit du fait qu'elle veut respecter un cessez-le-feu imposé par les acolytes de l'ennemi, et la population appelle le gouvernement et l'armée à ne plus respecter ces affaires-là de cessez-le-feu. Il faut être derrière le Oazalen. Et au besoin, il faut subventionner, il faut appuyer le Oazalen. C'est une question d'État. Notre sécurité est menacée, l'intégrité de notre territoire est mise à mal et on n'a pas de choix. Il faut battre l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir regardés. Moïse, on ne se quitte pas à votre numéro de téléphone. Plus 243-99-25-42-946. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir regardés sur Congo Live. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Monsieur Moïse Monzès, merci et à demain. Bye bye. Je vous en prie, merci à tous qui nous ont suivis depuis le début jusqu'à la fin. Chers compatriotes, mobilisons-nous pour que nous puissions gagner cette guerre.